parisienne pour ses toilettes luxueuses, portées par son épouse l'impératrice Eugénie de Montijo, qui contribua à la mode de Paris et celle de la province. La parisienne n'abandonne pas sa coiffe au ruban enroulé. Un peu différente que précédemment, le ruban changera de texture et permettra un modelage plus marqué. Manufacturés à Krefeld, en Rhénanie, ces passementeries de luxe sont commandées par un dépositaire arlésien et revendues dans tout le pays d'Arles. Elles sont colorées, mais le bleu marine devient de plus en plus un argument de mode. Les cheveux sont coiffés en bandeau à la George Sand et soulignent les traits du visage. La crinoline soutient la jupe, confectionnée dans des tissus coûteux, soie, moire, mousseline en été, avec un corsage à manches pagodes, afin de ne pas cacher les fines engageantes. Fichu croisé sur la poitrine, pliconté, de qualité très souvent bordée de franges, blanc ou de couleur, pour laquelle on veille au bon assortiment. Les costumes ordinaires ont des coiffes encravatées et le volume de la jupe est réduit. Les bijoux complètent la toilette. Les orfèvres sertissent les pierres précieuses. Les diamants sont taillés. Les perles sont en collier. Les corbeilles de mariage scintillent. Appréciez ces arlésiennes, telles décrites par Frédéric Mistral, chantre de la Provence dans son œuvre magistrale, Mireille. Valérie, tu as le bel oeil de ce ton dos.